Mon objectif entre être un guide touristique et devenir un enseignant, c'est d'être à l'aise de parler en avant du monde, d'être capable de leur instruire différentes affaires, puis d'être capable de répondre aux questions. J'espère acquérir deux compétences, dont le sens de la responsabilité et le sens de l'organisation. J'espère aussi avoir beaucoup de contact avec les animaux, parce que j'adore les animaux. Justement, je me considère comme un leader. Toute personne, je pense, travaillant auprès des enfants doit se considérer un peu comme un leader. On agit beaucoup en tant que leader, des leaders de coulisses, je pourrais dire. Donc, dans le fond, on agit un peu dans l'ombre pour donner des capacités aux familles de développer eux-mêmes un leadership. J'espère apprendre tout ce qui est en rapport avec la nature, donc les noms d'arbres, les animaux qui y habitent. J'espère aussi pouvoir reconnecter avec elle, parce que dans la société où est-ce qu'on est aujourd'hui, les gens ne sont pas autant connectés avec la nature qu'avant. Aujourd'hui, en tant que responsable terrain, je me considère comme un leader. Donc, avec toutes les années d'expérience que j'ai acquises, je peux me considérer comme une bonne référence pour mes collègues.